crois que j'ai repéré un truc. Je dois trouver le bon creuset pour apprendre à pirater cette machine. Thank you.
Ma bourse est pleine, mais j'ai de la place dans mon sac. Je peux pas encore te pirater. Il doit y avoir d'autres creusets dans la région. Ah!
Alors c'est là que Tilda a tenté de t'attirer dans ses filets. Quelle était son offre? Qu'ensemble vous pourriez sauver la planète? Comme ta mère biologique chérie l'aurait voulu? Je crois que les anciens appelaient ça une publicité leurre. Elle tapote avec la promesse d'un monde magnifique, alors qu'en réalité, il est sur le point d'être détruit par Némésis et purgé de toute vie. Si t'essaies de me provoquer au sujet de Tilda, ça marchera pas. Et si tu croyais vraiment qu'on n'a aucun avenir, tu serais pas ici. J'attends peut-être de voir si tu parviens encore à accomplir l'impossible. À ce propos, mes préparatifs pour Némésis révèlent un nouveau problème. J'ai cherché des données potentiellement utiles dans les ruines de la base des Zéniths. Et en fouillant, j'ai découvert que 13 de nos amis de l'espace étaient descendus de l'Odyssée sur Terre. Mais on a trouvé que 12 cadavres en tout, en comptant celui de Verbena au labo. Toujours aussi doué en calcul, je vois. Mais oui, l'un d'eux a dû s'en tirer. Il s'appelle Walter Londra. Un ponte de l'aérospatial au 21e siècle, mais aussi un genre de star. Inutile de te dire qu'il est bien trop dangereux pour qu'on le laisse en liberté. Tu dois le trouver et t'occuper de lui. Tu dis que t'as fouillé la base des Zéniths. T'as trouvé quelque chose pour combattre Némésis ? Je crois que notre meilleure option est de déterrer des technologies puissantes des Zéniths, des Anciens ou les deux. Avec ces connaissances, nous pourrions créer une arme qui endommagera Némésis, sans qu'il puisse prévoir notre manœuvre. Une attaque surprise ? Ça me plaît. Ne t'emballe pas trop. J'ai trouvé quelques pistes, mais rien de concret. Les recherches vont prendre du temps. Alors Londra a fait fortune en vendant des vaisseaux spatiaux ? Exactement. Il construisait des engins capables d'extraire des métaux rares des astéroïdes, ce qui était très lucratif. Je commence à voir pourquoi tu t'inquiètes. Eh oui. Grâce à nous, il n'a plus accès à l'Odyssée ni à la base des Zéniths. Mais il connaît probablement des technologies de l'ancien monde très puissantes. Et donc, il représente à la fois une menace et une opportunité. Il peut nous apprendre quelque chose d'utile contre Némésis. C'est possible, oui. Tu as dit que Walter Londra était un genre de star. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a fait fortune dans l'aérospatiale. Mais il a aussi beaucoup misé sur les divertissements holographiques. En fait, sa femme était une actrice célèbre. Ils apparaissaient régulièrement tous les deux dans les tabloïdes. Les tabloïdes ? Un genre de média d'information sur la vie personnelle des célébrités, pour que des hordes de fans puissent vivre par procuration la vie des nantis. Oh ! Burke ? Où est allé Londra, d'après toi ? Sur la côte, tout au sud. Une région ravagée par les séismes et les mouvements tectoniques. Les rares Ténacs qui s'y sont aventurés l'appellent la côte embrasée. Mais il y a 1000 ans, on l'appelait Los Angeles. Un pôle de la technologie et du divertissement. L'entreprise d'extraction minière de Londra, Even, y était basée. Qu'il se replie dans un lieu familier me paraît très logique. Je vais t'envoyer les coordonnées. Alors, prête à traquer notre Zénith renégat ? D'accord. Direction la côte embrasée. Fais bien attention, Aloy. Je pense que Londra est encore plus fourbe et rusée que les autres Zéniths. Ah, oh, Silence. Si je te connaissais pas, je pourrais croire que tu t'inquiètes pour moi. Aloy ? J'espère que t'étais pas en train de combattre une sorte de machine géante. Salut, Beta. Je suis en route pour la côte embrasée. Ah oui, Silence nous a mis au courant pour ta mission. Sois prudente, d'accord ? On sera là en cas de besoin. Promis. Merci. C'est bon, j'y suis.
Le QG de Londra ne devrait pas être loin. Oh, ça sent pas bon. Merde! T'es bien en train de voler, là ? Oui, pas mon meilleur atterrissage. Oh, d'autres machines. Reste là, je m'en occupe. Attends, je peux t'aider. Voyons ce que tu sais faire. Tu vois ces cristaux brillants ? Ils explosent si on les frappe. Ouais, d'accord, j'ai compris. Dis donc, tu sais t'y prendre ? Je m'appelle Saika. Aloy. Et je te retourne le compliment. Tu as un focus ? Tu es Quen. Mais tu ressembles pas trop aux autres devins. Comment tu sais ça ? Je suis sûre que tu as des tas de questions, mais d'abord... Juste une, en fait. Je t'ai vu avant que tu t'écrases. Tu volais sur une aile des lions. Tu n'avais pas vraiment l'air de connaître cette tour, donc tu viens d'arriver. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Je cherche quelqu'un. Il y a des ruines sur la colline nord-est, j'allais là-bas. Les ruines de la colline ? C'est la montée de la lune. Tu connais. Il y a un autre accès, peut-être ? Possible. Mais on va d'abord devoir s'occuper de cette tour. Je crois qu'on peut s'entraider, Aloy. La tour n'est pas très loin de là où on s'est établi. Je peux t'y emmener. Ah, attends. Tu as dit qu'on pouvait s'entraider, mais... Tu cherches quoi, toi, au juste ? Disons que... j'ai aussi affaire dans cette tour. Allez. Par là. Suis-moi. On va prendre mon canot pour atteindre le campement. Au fait, qu'est-ce que tu faisais ici ? Le gouvernail du canot est en mauvais état. Je cherchais des pièces. Et parfois, Thank you.
sorte de cristal. Ouh ! Quelle odeur ! Mais ça pourrait intéresser des marchands. Voilà. Il faut juste que je fixe cette pièce que j'ai trouvée. Une minute. J'ai jamais vu un bateau de ce genre. Je l'ai fabriqué avec un spécialiste du matériel au campement. Il est très bien. Ça devrait aller. Le canot est prêt. Grimpe. Oh non! Encore un! Wow! Comme je disais, impossible d'atteindre la montée de la lune avec cette tour. Bon, j'y vais. C'est mieux que de devoir ramer. Les ancêtres savent que j'ai eu le temps de l'améliorer. Depuis combien de temps ton peuple est ici? Des mois. Un an, peut-être. Ça fait un moment que j'ai arrêté de compter. On a croisé cette tempête sur le grand océan. On a perdu la moitié de la flotte et nos repères. C'est un miracle qu'on ait même atteint la côte. Et depuis, on est bloqué ici. Je vois. Je suis désolée d'apprendre. Mais vous êtes combien, au juste ? Pas autant qu'on devrait l'être. On a rencontré d'autres ennuis depuis le naufrage. Et ceux qui restent ne sont pas tous très utiles. On dirait que t'es pas ravie d'y retourner. Arriver avec une étrangère, ça va compliquer les choses. C'est moi qui... Ça va aller. Suis mon exemple et laisse-moi parler. Si tu le dis. C'est là, sur ta gauche. La fin de la flotte. Charmant, ce nom. On n'était pas très optimistes quand on a débarqué. Bon, allons-y. De plus. Je peux disposer ? Non. Tu vas rester ici jusqu'au retour de la traîtresse. Toi ! Et c'est parti. Excuse-moi. Visiblement, un acte de trahison ne t'a pas suffi. Tu as volé le focus d'un devin. Et tu as amené une barbare parmi nous. Typique des Quen. Arrêtez-les. Et qu'on confisque leur focus. Nous arrêter, c'est à l'amiral d'en décider. Pas un responsable conformité. Je t'en prie. Seika a volé le focus. C'est qui, cette barbare ? Elle a aucune chance. Ils sont un peu tendus par ici. Disons qu'on a connu mieux. Amiral Geerit ? Je ne m'étais pas trompé. Vous en avez la preuve flagrante sous les yeux. Une soldate... a osé porter le focus d'un devin. L'œil qui révèle l'héritage. Mais Seika ne s'est pas arrêtée là. Elle a amené parmi nous une barbare. Une violation de la clause de confidentialité 3A. D'après le protocole, elle doit... Je suis peut-être notre seul espoir de trouver nos disparus, monsieur. Le focus du devin Vaille m'a montré ses derniers instants. Il y avait un indice.
les ruines de la montée de la Lune. Des signes indiquent que les nôtres s'y trouvaient. Le QG de Londra. Nous n'avons aucun moyen d'y accéder sans danger. Pas dans la situation actuelle. Mais elle a peut-être une solution. N'oubliez pas la loi. Le focus est réservé uniquement aux devins. Les actes de Seika sont inquiétants, en effet. Et ils devront bien sûr être jugés. Mais avant tout, il est primordial de retrouver notre équipage. Si Seika a la faculté de nous les ramener, il n'y a pas à hésiter. Même Conformité doit le reconnaître. Je les y autorise. Seika et l'étrangère peuvent suivre cette piste. Mais monsieur, si... Étrangère, j'aimerais te parler, quand tu auras le temps. Je les hais. Tout va bien ? Je n'aurais pas dû dire ça seulement... Ma sœur fait partie des disparus. Mais ce n'est pas tout, elle est notre dernière navigatrice. Notre seul espoir de rentrer chez nous. Il faut que je la retrouve, quitte à me servir d'une relique interdite. Pendant ce temps, Reng et les autres font comme si c'était moi le problème, alors qu'en fait, je suis la seule qui cherche une solution. Écoute, je comprends. Plus que tu crois, peut-être. Mais pour l'instant, il faut qu'on reste calme et... Je suis calme! Tu as raison, évidemment. Ça ne m'aidera pas de perdre patience. Bon. On veut toutes les deux aller à la montée de la Lune. Mais apparemment, cette tour tire sur tout ce qui approche par le ciel. Par la mer aussi. Elle prend pour cible tous les navires à portée. Ah, génial. Mais... J'ai l'impression que t'as une idée en tête pour régler le problème. Peut-être. Si on s'y met à deux, il y a peut-être un moyen. Ah, tu sais combattre, c'est certain. Mais je sais presque rien de toi à part ça. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je n'ai rien de vraiment spécial, mis à part que ma sœur est assez connue parmi mon peuple. Tu n'as pas l'air si ordinaire. Je n'étais qu'une officière, sans importance, jusqu'à ce qu'on s'échoue. Mais on a perdu beaucoup d'aspirants et de lieutenants quand la tempête nous a frappés. Et maintenant, d'autres encore ont disparu. Donc, je m'efforce de me rendre utile auprès de l'amiral. Il fallait du cran pour mettre ce focus. Il a besoin de plus de gens comme toi. Oh. Dis ça à Reng et à ses lèche-bottes. Donc ta sœur est navigatrice. Elle est LA navigatrice. La seule Quen capable de se diriger uniquement à l'aide des étoiles. Elle lit le ciel comme un parchemin. Elle connaît la position des constellations alors qu'elle tourne là-haut sans jamais s'arrêter. Et donc, elle est la protégée de l'Empire depuis son premier examen. L'un des atouts les plus précieux de la flotte. Et elle a disparu. Elle et les autres se sont... volatilisé. Après notre échouage brutal et meurtrier, l'amiral a envoyé des groupes d'éclaireurs à bord des quelques bateaux qui nous restaient. Et aucun d'entre eux n'est revenu. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais je sais que c'est forcément lié à cette tour et à la montée de la Lune. On est d'accord. T'as autre chose à me dire sur cette tour ? Elle est apparue tout d'un coup il y a 2 semaines après la disparition de nos éclaireurs. Et elle tire sur tout ce qui passe dans le ciel ou sur l'océan. Les machines, les bateaux... Toi. M'en parle pas. J'ai essayé de m'approcher, mais elle est située sur des ruines en hauteur et entourée de machines.
L'avantage, c'est que sa portée est limitée. Je l'ai testé avec mon canot et placé des bouées pour marquer le périmètre. Je sais pas si c'est malin ou imprudent. Les deux, peut-être. J'avoue que j'ai bien failli mourir plusieurs fois. Qu'est-ce que t'as trouvé sur le focus du devin ? Quand les éclaireurs de l'amiral ne sont pas rentrés, il a envoyé notre dernier navire pour retrouver leurs traces. Le devin Vaille était à bord. Ils sont arrivés jusqu'à la montée de la lune. Puis dans les terres, ils ont trouvé un campement et du matériel. Une partie des nôtres a dû entrer dans les ruines là-bas. Ensuite, ils ont vu une machine, différente de toutes les autres. En argent et en or, elle bougeait comme une araignée. Ils ont détalé jusqu'au navire. Je connais ces machines. Ils ont eu de la chance de s'en tirer. Leur chance n'a pas duré longtemps. Le matin où ils ont essayé de partir, la tour est apparue et les a coulés en quelques secondes. Le corps de Vaille s'est échoué ici un peu plus tard. Une amie à moi l'a trouvé et m'en a parlé. La même amie qui m'a dénoncé à Reine quand j'ai récupéré le focus. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? J'aurais fait la même chose, crois-moi. Tu crois qu'on peut faire quelque chose contre cette tour ? Si on veut accéder à la montée de la lune, on doit essayer. J'ai réussi à approcher de la tour à pied, mais pas suffisamment pour tirer dessus ou faire quoi que ce soit. Mais avec un peu d'aide ? Guide-moi jusque-là et on essaiera. Je crois que tu ferais bien de t'équiper avant. Tu peux prendre mon canot pour aller chercher des ressources. Mais surtout, reste au sud de la colonie. La tour ne peut pas tirer par là. J'ai mis des bouées pour indiquer sa portée. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah, je vais aller me vider la tête. Il y a un pont qui mène aux ruines sur lesquelles la tour est installée. Je t'attendrai de l'autre côté. Attends, encore une chose. Les Quen d'ici, tout ça là... Vous faisiez partie d'une expédition plus grande, vers San Francisco. Tu étais déjà au courant ? Et tu as vu les autres, c'est ça ? Est-ce qu'ils sont tous en vie ? La plupart, oui. Je peux te mettre en contact avec eux. Mais il faut d'abord qu'on trouve les disparus, d'accord ? Ils sont en vie. Quelle bonne nouvelle. Mais oui, oui, ça attendra. Si on en parle maintenant, ça va mettre du désordre. Donc, pour le bien des disparus, c'est sur eux qu'on doit se concentrer. Bon, très bien. On se rejoint de l'autre côté du pont. Je devrais peut-être me réapprovisionner avant de retrouver Seika. Ou je pourrais d'abord explorer avec son canot. Alors, une barbare pénètre dans le campement avec Seika. Et vous nous promettez de retrouver nos disparus. Au vu de notre situation, je n'ai d'autre choix que d'accepter. Mais je n'apprécie pas de confier notre destin à une étrangère. Qui es-tu ? D'où est-ce que tu viens ? Je m'appelle Aloy. Quant à mon histoire, c'est si important. Si je peux aider. Tout dépend du prix, je suppose. Seika est surveillée de près, par conformité. Et en la laissant s'en aller avec une étrangère, je lui ai peut-être fourni la corde pour se faire pendre. Personnellement, je crois qu'elle peut se débrouiller, mais... je ferai de mon mieux pour la protéger. Très bien. Dans ce cas, y a-t-il quelque chose que tu dois savoir ? Tu sembles avoir de l'estime pour Seika. C'est une marine exemplaire. Opiniâtre, altruiste, ingénieuse. Un naufrage est comme une guerre d'usure. Tout le monde finit par s'épuiser, mais pas elle. Pas encore. Je me repose de plus en plus sur elle. Elle est notre meilleur espoir de retrouver les disparus. J'en suis certain. Tu parles d'une situation désespérée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons traversé le Grand Océan. C'était la mission la plus importante de la tribu depuis un siècle. Ce devait être... mon chant du cygne. Ce sera surtout mon épitaphe. Nous avons croisé un typhon qui a...
séparer la flotte en deux. J'ignore où est passée l'autre moitié. Éparpillée, naufragée... sûrement coulée. Je sais pas, il y a toujours de l'espoir. Bah, après le naufrage, j'ai envoyé des navires afin d'explorer la côte. Tous disparus. Et je n'ai ni les effectifs, ni le matériel pour lancer des recherches. J'ai perdu la moitié de ma flotte, puis la moitié des survivants, alors... ne viens pas me parler d'espoir. Et pourtant, Seika a trouvé un indice sur ce focus. Tu raisonnes comme elle. Tu n'abandonnes pas. Conformité semble avoir beaucoup de pouvoir par ici. Les responsables conformité sont les antennes de la maison impériale. Il est de leur devoir de s'assurer que la sagesse de nos ancêtres ne tombe pas entre des mains ennemies. C'est pourquoi ils traquent les infidèles et les rebelles. Inspection, interrogatoire, la sécurité passe avant tout. Ce que je vois, c'est un homme qui sème l'agitation dans ton campement. Être apprécié n'est pas un objectif de conformité. Si jamais nous rentrons un jour chez nous, Reng rédigera un rapport pour ses supérieurs. Ça lui donne beaucoup d'influence. Je ne peux que prier pour qu'il s'en serve pour le bien de tous. Je vais aider Seika à ramener ton équipage. S'ils sont encore en vie. Protège-la, si tu peux. L'allié tient court. Ah, je vois que conformité vous occupe. Je n'imagine pas. Ou peut-être que si. Retrouve-moi au cimetière, vers la colline ouest. D'accord. Très bien balayé. Salut! T'as réussi à raccommoder ton uniforme? Continuez. C'est bon. Bon, j'espère que tu n'auras pas de regrets. Fouillez minutieusement toutes ces affaires. Ne t'occupe pas des affaires du confort. L'amiral dit qu'on peut faire du commerce.
toujours en mieux soin que son propriétaire précédent. Pas mal comme façon de se déplacer. Je suis assez près. Ça s'est effondré récemment, vu l'état de ce corne-sabre. Il a peut-être trouvé quelque chose. Je devrais aller voir ça de plus près. Je m'en occuperai plus tard. Bon, il faut que je comprenne ce qui s'est passé ici.
Je continuerai plus tard. Je me sens dans mon sac.